Non, souvent j'entends des gens qui disent non, on va voir où elle est arrivée, on va voir où elle va arriver. Elle se prend, elle fait le malin, tout ça. Je dis oh, quand quelqu'un a fini avec les études, quelqu'un s'est marié, quelqu'un a eu des enfants, quelqu'un a eu une maison et la personne ne te doit pas. La personne vit par la grâce de Dieu. Où veux-tu que la personne arrive d'abord avant que tu puisses savoir que le Seigneur l'a bénie? Trop de papatoya et de jalousie. Quand une personne a réussi, essaie d'être content pour la personne. Essaie de féliciter la personne et tu vas voir que la même bénédiction que la personne a eue va aussi se rebondir dans ta vie. Ça ne sert à rien d'être jaloux. La jalousie n'amène pas une personne à réussir, mais ça te détruit. Non, on va voir où elle est arrivée. Tu vas voir où elle est arrivée où? Tu veux qu'elle arrive sur la lune d'abord, avant que tu puisses savoir que cette personne a réussi? Tu veux qu'elle arrive d'abord, je sais pas, qu'elle se soit planée sur, comment on appelle le ciel, ou bien, je sais pas, au ciel, avant que tu puisses savoir que la personne a réussi? Mais non, c'est pas possible. Une personne qui a réussi. Voilà. Essaie d'être content quand une personne a réussi. Essaie dans la joie. Essaie de féliciter cette personne. Et tu vas voir que toi aussi, la bénédiction sera dans ta vie. Ça ne sert à rien d'être jaloux. Non, on va voir où elle est arrivée. Oui, elle est arrivée où là, Dieu l'a emmenée. Elle est arrivée où Dieu l'a emmenée. Elle est arrivée dans sa destinée. Elle est arrivée dans sa gloire. N'attends pas qu'elle soit sur la lune. N'attends pas qu'elle soit sur, je sais pas, Mars. Je sais pas. Une planète avant que tu puisses savoir que cette personne est bénie. Mais encourage cette personne qui est bénie, sois content et tu verras que cette même bénédiction sera aussi ta portion. Moi, en tout cas, je suis ici et je suis très heureuse et je dis merci à Dieu parce qu'avec Jésus, on ne perd jamais, on gagne toujours. Au revoir. Ciao. Bye.